la dinguerie. Et voilà. Bon, dernier show du festival. On a organisé un truc un peu à l'improviste, comme d'hab. Mais normalement, on va foutre un DJ sur notre camion. Il va mixer et on va emmener les gens sur un spot. Et on va faire du parcours. On sait pas trop combien de monde il va y avoir, mais la mairie dit qu'il va y avoir pas mal de monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça part en... Le van, on va le faire caler. On va mettre un DJ dessus. T'as déjà vu ça ou pas? Là, les gars, ils sont en train d'installer le setup pour mettre le DJ. Il va être sur le van. Ça va attirer les gens, on va se balader avec le van, ça va être fou. Il en aura vécu des choses ce van, putain. Mais j'espère qu'il va pas canner hein, sur la route, hein, parce qu'après on va dans le Verdon, on va rouler 12 heures cette nuit, on lui fait vivre des choses. Ça va partir. Ça va être le rush, ça va être incroyable. Viens filmer le monkey, s'il te plaît. Regarde, les deux bras. Là les gens ils sont en train d'écouter monsieur le maire, ils sont pas prêts mec. C'est bon, multiprise, dites-moi quoi. Multiprise enceinte, allez, vite, vite, vite. Sa mère, ça va péter le son, il va mettre elle là, elle là. On va danser. On est à la bourre. C'est fou l'impro, c'est incroyable en vrai, il y a tout le monde qui bouge, ça va être fou. Il manque un câble, un rouge. Câble. Il manque un rouge. Coupe le fil rouge. Il nous manque un fil rouge. Coupe le fil rouge, putain. Vite. Il a trouvé son câble. Allez, let's go. Oh, c'est tellement stressant. Et le monkey. Hein, vous êtes chaud ou pas? C'est chaud au cœur de voir autant de monde qui assiste à un training. Merci beaucoup. On remercie aussi le festival de Port-Louis de nous avoir invités. Il y a beaucoup trop de monde, ça va faire de la merde. Les gars. Bon les gars, je suis à l'arrière du van parce que là on est vraiment fatigué, on vient de finir les shows à Port-Louis. On fait route vers le Verdon, c'est les prochaines aventures. On est invité à un festival aussi de parapente et de slackline. Donc là on va se tracer, on va faire 12 heures de route en non-stop pendant la nuit, donc on va se relayer. Là moi je commence à dormir dans le coffre et après je vais conduire. Bon là on a descendu toute la France toute la nuit et on arrive à Moustier-Sainte-Marie pour le deuxième festival. Et on est canés. Les gars, ils ont roulé toute la nuit et je suis bien content de pas avoir mon permis. Hein. Oh là là. On est arrivé. 12 heures de route. Ah, on est arrivé, ouais, putain, on est en un seul morceau. Oh la nouvelle collègue. Non, c'est quoi ce short? Non. Oh non. Une nouvelle collègue. On n'est pas mort pendant la on nuit sur la mort, putain. Yes, yo. Ok, on vient d'arriver au festival. Donc là on a enchaîné de festival et on va dormir dans ce mobile home juste derrière. Ça va être stylé. On est au foot Deep Water. Ça part en rando, ça part en sudation.
surtout. Tant qu'on arrive là-haut, les gars, vous allez avoir perdu 3 kilos d'eau. What? Alors, je vous présente Rudy, légende de wingsuit. Voilà, vous pouvez tous le rester. Tu vas bien? Moi, légende de rien, super. Ouais. Ça va être trop cool de voir du wingsuit. Moi, perso, j'ai jamais vu ça. Jérémy, je crois qu'il est trop hypé là. Personne n'a vu ça. Ça va être n'importe quoi. Ça va être fou. On est parti dans une rando pour monter sur un pic tout en haut du Verdon. Parce que là, on est avec deux gars qui vont sauter en wingsuit. Il y a Skip, un mec qui s'appelle Rudy qui a fait un masse de saut et c'est une putain de légende dans le game. Donc ça va être bien stylé de voir ce gars-là se lancer en wingsuit. En plus, c'est un truc qui nous trempe dans la tête quoi. Pour plus tard, du coup, ça va être notre première expérience. On va aller voir s'envoler. On a bien hâte, mais pour l'instant, il faut monter jusqu'en haut. Ah ouais, c'est beau! Amazing! Wesh, yo, incroyable! On fait une randonnée, c'est une première pour la Wizzy. On arrête tout. Je suis en train de crever là. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis des marches. En plus, les ingénieurs ils sont pas malins parce que il y a des montées et après il y a des descentes. Pour après remonter. C'est fort ça. Non, mais au moins on va voir quelqu'un sauter en wingsuit. Et puis, comme j'ai la flemme de descendre, bah je pense que je vais sauter. Et là les conditions elles sont bonnes? Ah ben là les conditions elles sont portantes mon gars. Mais là il faut porter tes couilles là pour sauter. Toi tu passes là-bas dans le petit V là. Moi tu vois le petit pilier là-bas là? Ouais. Bah, je passe au-dessus. J'ai regardé mon GPS là. Là, ouais, quand t'arrives plein pot et que tu mets un coup de baguette comme ça, quand t'arrives juste à la cassure là, pouf, on va mettre. Ouais, je comprends rien. Je suis du père. Ça parle wingsuit là, je suis du père. Non, ça parle d'aérologie, mais on sait pas bien ce qu'on dit non plus. Ok. C'est comme la théorie, c'est comme l'école. Tout marche bien en théorie, mais en pratique, c'est pas la même chose. Allez, gars, sortez les popcorns là. Ça va être une dinguerie. Moi, ça fait 20 ans que j'en fais et c'est à 30 ans que ça, les premiers, c'est il y a 30 ans. C'est vieux et jeune à la fois. Il n'y a pas peu d'expérience en fait, on n'a pas beaucoup de retours. Tu vois. Parce qu'au début, la wingsuit, on partait sur des falaises de 600 mètres. Et après, on s'est dit, ça nous fait chier de faire 600, 800 bornes à chaque fois, donc on va essayer de sauter près de chez nous. Et donc les 600 mètres sont passés à 300, de 300, 250, 250, 200. Et là, du coup, on n'était pas sûr de pouvoir avoir le temps de voler. Tu vois. On est arrivé, on était trois potes. Regardez, on disait, c'est chaud, ouais, c'est chaud. Tu te sens? Il y avait souvent un dans le groupe qui disait hey, je me sens. Et là on le regardait bien. Et puis quand il passait, on disait ça passe, on y va. Putain. Ouais, mais la technique des bâtons marche, mon gars. Après, en même temps. C'est mal. Alors, il faut savoir que lui, c'est un peu un schlag quand même. Hein. Il y en a, tu vois, ils ont quand même des trucs vraiment plus stylés que ça dans leur combi. Mais. Ça se voit pas, ça. Ouais, ça m'a sauvé la vie. Comment ça, ça t'a sauvé la vie? Quand j'ai pris une ligne électrique, j'ai tapé dedans, ça a déchargé la vie. Ok, il se transforme en oiseau là. Petite chemise. Bonne chance mec. Allez. Bon, là il y a pas mal de vent, du coup ils sont en train de jeter des bâtons pour voir. Ça va dedans. Regarde. Merci mec. C'est pas non plus catastrophique. Là c'est chaud au niveau vent, du coup il y a Rudy, le pilote le plus expérimenté qui va sauter en premier. Allez hein. C'est bon tout le monde? Fais ça bien hein. Ça filme. Ça filme. Allez, 3, 2, 1, c'est... Les gars, il est trop chaud. Oh, c'est magnifique, putain, c'est un oiseau. C'est incroyable, frère. Ah, il a tracé. En vrai, c'est nimp. Hein. C'est un des sports les plus impressionnants, je crois. Vraiment. C'est infernal. Il est trop chaud. Ça part. Oh,
Énorme. Ça pose vers où? Là? Vous êtes chaud pour essayer les gars? Mais bien sûr. Mec, un jour, obligé, écoutez ça les abonnés, un jour on fera une vidéo où on apprendra le wingsuit. Bon, on vient de se remettre là de, des deux sauts, des deux mecs qui sont partis, c'était vraiment incroyable. Et là, on va faire des petits plans de drone avant de redescendre parce qu'on a encore quelques shows à faire à Moustier-Sainte-Marie. Pour aller faire le premier show au festival de Moustier-Sainte-Marie, c'est parti. On aurait besoin de deux personnes supplémentaires. Une demoiselle, deux demoiselles, parfait. Allez, vous ferez encore du monde si vous tirez dessus aussi. Tu dis peut-être deux personnes, il en a mis cinq, c'est un malade. Décale de spot, on part en bas ou pas? Oui. Okay. Yeah. Il y a le futur. Bon, je crois qu'il y en a certains et certaines qui ont kiffé le show. Et là, ça commence à training en solo. Ah, vous êtes chaud! Ah, ça vous a donné envie de tester? Ouais, bah ouais, on a déjà essayé un peu, mais on n'arrive pas. La première qui stick, je lui offre un flanc. Allez! Let's go! Bon, avec Louis et Mathieu, on se dirige vers le parapente parce que on va essayer le parapente pour la première fois de notre vie. Mais en plus, c'est pas n'importe quel parapente parce que là, ça va pas être juste un petit vol chill. Ils vont faire des acrobaties et tout, du coup, ça va être incroyable. Là, ça va être un rêve de gosse, clairement. En fait, on s'est entraîné avec Bastien, on a fait du parapente. On était dans un champ et on s'entraînait à gonfler la voile. C'est juste pour tester, pour savoir comment c'était dur. Et là, on va faire notre premier vol avec quelqu'un du coup. Parce qu'on n'est pas encore assez chaud pour faire tout seul. Il m'a fait tourner dans tous les sens, mon gars. J'étais pas bien. Vas-y, arrête. Ah bah oui, j'ai dit arrête au début. On va lui dire au début, j'ai dit arrête. Après, oh, il est reparti, mon gars. Non. Mais j'ai fermé les yeux. Ça va pas être un vol chill en plus. Hein. Mais si, moi je vais voler avec un mec qui. Il faut le secouer, Mathieu. Non, les gars. Le nombre de fois où on est en l'air dans notre discipline, mais que ça dure genre vraiment que quelques secondes. Genre même quand on fait des gros sauts en cliff, ça dure quoi? Une, deux, trois secondes pour les plus gros, tu vois? Même pas. Et là, on va vraiment être en l'air pendant méga longtemps. Ça va nous faire bugger le cerveau, là. Mais de toute façon, on en avait déjà parlé de tous ces sports, du parachute, du parapente, tout ça, là. On se devait d'essayer. C'est la suite logique de ce qu'on fait. Ouah, l'eau est tellement bleue, mais ouais. C'est n'importe quoi. Ouah, cette vue! Je crois que je me rends même pas compte que dans quelques secondes là, on est en l'air. Ah, c'est fou! Oh la dinguerie! Et voilà! À côté, putain, c'est ouf. Hey, c'est une dinguerie. Merci infiniment de nous soutenir parce que ça nous permet de faire des dingueries comme ça. On a toujours rêvé d'en faire et là on en fait. C'est ouf.
Et c'est que le début, hein, parce qu'il y a plein d'autres sports qu'on a envie de tester. Wow. Oh la vitesse. C'est ouf. L'atterrissage il est super chaud là parce que le vent il tourne dans tous les sens. Ouais. Et en plus t'as vu c'est encaissé et on a pas mal d'obstacles donc il faut un peu se jeter dans le trou à un moment. Super. Bien wesh mec. Bah mec c'est merci hein. C'est incroyable, ça fait trop plaisir. Bon merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez kiffé. En tout cas nous on kiffe trop ce genre de nouvelles expériences comme on vous l'a dit avec l'aspect Léo, là le parapente. On va essayer de continuer un peu comme ça tout en continuant à faire du parcours et du cliff. Merci beaucoup, en ce moment il y a une... Je sais pas, il y a un super engouement sur la chaîne et ça vous fait trop trop plaisir, vous kiffez les vidéos, vous kiffez ce qu'on produit et ça c'est vraiment la meilleure des expériences. Oh, j'ai eu peur. Désolé, j'ai failli me prendre un parapente sur la tête. On vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo les gars. Ciao.